Hey, salut à tous, la team Chris, j'espère que vous allez bien. Je suis trop content aujourd'hui de vous retrouver pour un retour de course. Bon, cette fois-ci, je suis allé au cours tout seul parce que Lola n'était pas là. Je suis allé surtout pour la raclette. Donc, si vous suivez sur mon vlog, vous avez vu que j'ai fait une raclette jeudi dernier. Donc, il fallait que j'aille faire des courses pour la raclette. Il manquait encore des trucs aussi pour la maison. Donc, c'est parti, on commence maintenant. Pour commencer, je suis repassé à Grand Frais après avoir fait mes courses à Carrefour parce que je trouve que leurs fruits sont vraiment pas beaux et donnaient pas envie. Il me reste encore des kiwis, des pommes et des bananes, mais je n'avais plus de clémentine parce que j'ai défoncé mes 6 clémentines en une journée. Je vous dis, j'aime trop ça en ce moment. Donc, je suis repassé à Grand Frais chercher des clémentines. Là, j'en ai repris 6 de Clément Villa, je crois, ou Clément Villa, vous dites comme vous voulez. Elles viennent d'Espagne. Mais franchement, elles sont super bonnes. Et j'ai repris une petite boîte de bonbons comme la dernière fois parce que j'aime bien avec les araignées. À Carrefour, j'ai pris un lot de 4 baguettes. Ça, vous savez, je le prends tout le temps au congélateur. On n'en parle plus. Là, il n'y en avait plus. Donc, j'en ai repris. Pour la raclette de ce soir, j'ai pris... Alors, il y avait pas mal de promotions, mais je cherchais la promotion la plus avantageuse. Et j'ai trouvé avec Richemont, format familial pour 5 à 7 personnes. Il y a 32 tranches. Et ça, c'était à moins 30 ou moins 34%, je crois. Et ça coûtait 5,36€. Très précisément, je le sais, je me rappelle parce que j'ai pas arrêté de regarder les prix dans tous les sens. J'ai une mémoire des chiffres, donc je m'en souviens, ça valait 5,36€ le pack de 2. Et Carrefour faisait 1 plus 1, moins 60%, je crois. Et ça revenait plus cher si j'achetais Carrefour ou Richemont. Donc du coup, bah j'ai pris Richemont. Pour aller avec la raclette, il y avait une promotion. Alors si vous regardez mon vlog, vous verrez que je l'ai eu aussi dans mon Too Good To Go. Là, il y avait un anti-gaspi, moins 50% sur les jambons serrano, comme ça. Donc j'en ai pris 2 pour la raclette de soir. J'en ai un troisième du coup que j'ai eu dans mon Too Good To Go là. Donc c'était 1€ au lieu de 2€ les 100 grammes de jambon. Pareil, un anti-gaspillant date courte. Bon, celle-ci, on attend de la manger, on a jusqu'au 25 janvier. C'est, ils sont en train de brader toutes les couronnes et toutes les galettes parce que l'épiphanie s'est passée. Donc là, c'est une couronne des rois en pépites de chocolat. Donc c'est une brioche aux pépites, tout simplement, Mario Kart. Et il y a moins 50% dessus. Donc à la base, elle était à 3,40€, elle est passée à 1,70€. Ensuite, on a, j'ai repris les pains au chocolat. Ça fait longtemps qu'on en a pas acheté avec Elodie. Je sais pas si on en a envie tant que ça. Mais j'en ai repris. Je sais que quand il y a la copine à Elodie, elle aime bien en manger quand elle vient ici. Donc j'en ai repris la boulangère. Franchement, ceux-là pour les pains au chocolat déjà prêts, je trouve c'est les meilleurs en conditionnement comme ça. Donc là, il y en a 8 dedans. Pour ce soir, et j'espère que ça sera pas que pour ce soir, mais bon, vu le prix que ça coûte et vu les trous qu'on a, je pense que ça va être que pour ce soir. La DSP, j'en ai pris un pack de 12 dedans. Que dire de plus que c'est une des 7 bières que moi j'aime en tout cas. Parce que je ne suis pas du tout bière, je suis pas du tout un mec à bière. J'aime pas ça, en plus ça fait grossir et ça donne un peu de pipi. Il faut en boire 50 pour être défoncé. Mais la DSP, j'avoue, j'aime bien parce que c'est avec de la tequila et je mets la tequila. Pour l'apéritif, la dernière fois on en avait pris avec Elodie, sa maman, je crois, on avait pris, je m'en rappelle plus. Mais on avait grave kiffé, c'est le Coffee Crackers, la marque Carrefour, comme ça. Franchement, ils sont grave bons. Moi, la dernière fois, je me rappelle, j'ai défoncé les deux là. Mais vraiment, je les ai éclatés. Et je sais que la copine Elodie, elle aime bien les pizzas. Et je crois que Lodez aime bien les genres de belins au fromage. Donc j'ai repris un coffret comme ça. Mon éternel, quelle des îles. Bon, ça va être plus pour les whisky coca ce soir au cas où il y a besoin. Mais je sais qu'il y aura besoin. Tu vois, c'est qu'on va bien picoler parce que c'est le départ d'une amie qui part dans une autre région. Donc on va fêter son départ. Là, j'ai pris 2 fois 1,25 L. Encore et toujours du sopalin. Il n'y avait pas par 4, donc j'ai pris par 6. Hein, logique. Également, toujours pour vos anus précieux, vous allez croire qu'on en passe un paquet par semaine, mais presque, parce qu'avec tout le passage qu'il y a ici, je vous garantis. Ensuite, pour ce soir, pour l'apéro ou prochainement, hein, on va pas tout manger non plus le même soir, j'ai pris des Vico saveur barbecue, comme ça. Je sais que c'est une des chips préférées d'Elodie, moi je mange pas de chips du tout, donc ça m'intéresse pas. Mais j'ai pris celle-ci, pomme de la terre de la Picardie. J'ai pris en promotion, là il y avait une petite promotion sur le café Starbucks, il y avait moins 34% dessus, donc ça valait le coup. Là, c'est Intensité 8. Il y a Big Pack 18 capsules comme ça. C'est le House Blend Lungo. J'espère que Lodice aimera parce que c'est elle qui en ce moment boit plus dans la machine. Moi, je vous avoue, je fais plus du soluble. Mais là, il y avait en promo, donc j'ai profité. Pour les gin tonic de My Lodice et Palodice, et moi aussi, je vous avoue que la dernière fois, j'ai bu des gin tonic et j'ai trouvé ça super bon. Ça m'a rappelé mes 15 ans parce que c'est l'alcool que j'ai commencé à boire quand j'avais 15 ans. Comme je sortais déjà en boîte de nuit, j'ai pris du Chef's Indian Tonic comme ça, 1 litre pour faire le gin tonic du coup. En gâteau, pour changer un peu, je vous avoue, les gâteaux à Carrefour, il n'y a pas ce que j'aime. La dernière fois, je suis allé à Super U, ceux qui me suivent dans mon vlog, et j'aime trop leurs gâteaux à eux. Ils ont une belle présentation et ils ont des gâteaux que d'autres n'ont pas. Donc je pense que j'irai à Super U d'ici la fin de la semaine pour aller me refaire mon plein de gâteaux. Mais là, à Carrefour, j'ai pris ça en attendant des gaufrettes enrobées de chocolat. Ça fait longtemps que je n'avais pas mangé et c'est que j'aime bien ça. Pour la raclette de soir, parce que j'avais peur qu'on n'ait pas assez avec le plateau de 5-7, j'ai pris cette
celle-ci, la marque Carrefour classique. C'est sur celle-ci qu'il y avait aussi une promotion. Les deux faisaient presque 6,50€, je crois. Et là, le même plateau. Donc, si vous réunissez les deux, ça fait le même plateau, me coûtait 5,30€. Donc, j'ai pris le Richemont. Mais au cas où, j'en ai pris encore en plus. J'ai pris pour l'apéritif la rillette de poulet rôti aux cocottes Carrefour. Là, il n'y avait que le grand pot. J'aurais bien aimé le petit pour éviter le gaspillage. Mais ça sera mangé. Je me suis pris un petit fromage fouetté Madame Loïc. Ça fait longtemps ceux qui me suivent. Vous savez que quand je montais mes palettes l'année dernière, je me faisais des sandwichs au Madame Loïc avec du jambon. Je me pétais le bide à 8h30 du matin. Je kiffais trop ma vie. Mais là, hier soir, je mangeais en fait des kiri à Elodie. Vous savez, avec le bâton. Sauf qu'en fait, moi, je mangeais que le fromage et j'ai laissé les graissins. Du coup, je me faisais des tartines avec son fromage. Là, je me suis dit, je vais lui laisser ses kiri. Je vais me prendre du Madame Loïc. Donc, j'en ai repris un petit pot de 150 grammes. J'ai pris de la compote de pommes avec morceaux de la marque Carrefour. Comme ça. Alors en fait c'est parce que il me reste des pommes qui ont pris des coups et du coup bah elles sont à moitié pourries. Et il reste une pâte feuilletée aussi au frigo, donc je vais faire une tarte aux pommes. Et j'aime bien aussi la compote de pommes avec morceaux. Donc là ça fera pour la tarte aux pommes et pour mon bidou. En date courte, j'ai pris un anti-gaspi -70% sur des tendres crocs. Alors ça je pense que je vais les découper et les faire en apéritif ce soir parce qu'ils sont périmés aujourd'hui. À la base ils coûtaient 2,09€, je les ai eu à 63 centimes. C'est des crocs monsieur aux 3 fromages émental, raclette, cheddar et jambon. Il y en a 2 dedans. Je me suis pris parce que comme vous le savez, je suis en pleine formation de décorateur d'intérieur et les fiches Bifiche Bristol, j'en passe une quantité astronomique. Donc je m'en suis racheté un pack 2,50€. Ça vaut cher hein, ces bêtises hein. Il y a même pas de la sous-marque Carrefour, en plus c'est nul, tu vois, ils auraient pu très bien le faire, mais non, apparemment ils ont pas envie. Mais j'en ai pris parce que j'utilise vraiment ça que pour réviser. Au rayon beauté de la maison, j'ai pris du liquide vaisselle parce que là on commence à être à court et il en faut hein, faut bien laver la vaisselle, on est d'accord, tant qu'on n'a pas la vaisselle, bah on lavera à la main. Donc là c'est l'éco-planète Carrefour 100% végétal, floral. Je sais pas ce qu'il vaut mais il coûtait que 99 centimes je crois, donc on verra bien, on va tester. J'ai pris ce désodorisant de la marque Carrefour à la vanille parce que chez les mamans Elodie il y est et je l'aime bien. C'est aux huiles essentielles, parfume jusqu'à 2 heures, neutralise les odeurs plus action immédiate. Pour du Carrefour, je trouvais que dans ces toilettes c'était vraiment top. Donc celui-là il va aller dans les toilettes également, donc voilà, je l'ai pris. En date courte, j'ai pris du blanc de poulet sans nitrite grâce aux extraits végétaux et antioxydants. Il y avait -30%, c'était 1,79€ et là je l'ai payé 1,25€. Il y a 4 tranches dedans, ça c'est pour la raclette de ce soir parce qu'il y en a une qui n'aime pas la charcuterie normale. Si tu passes par là, je pense que tu vas te reconnaître. J'ai repris pour Elodie et Palodie les yaourts des vieux, yaourts nature sucré. Les vieux vont me tuer à chaque fois, mais elle a kiffé. Franchement, elle a adoré ces yaourts nature, donc je lui en ai repris par 4. Je voulais prendre le pack de 12, mais je me suis dit au cas où elle est comme moi, qu'elle nous change de lubie, évitons le gaspillage, prenons par 4, c'est la sécurité. Pour la charcuterie de la raclette, j'ai pris du bacon fumé au bois d'hêtre. La marque Carrefour, il y en a 15 tranches dedans. J'ai pris 2 paquets de jambon comme ça. Le Paris, il y avait une promotion, je crois qu'il y avait -64% sur le deuxième. Je sais plus, je vous avoue, je sais plus. Ça me fait 8 tranches, j'en ai pris 2 paquets. J'ai pris également de la rosette pur porc en 10 tranches de la marque Carrefour. Et du chorizo espagnol. Oh la chica. 1€ comme ça, il y en a 10 tranches dedans, je pense. Je sais pas, j'ai pas envie de les compter, mais en tout cas, il y a 70 grammes. Pour l'apéro toujours, j'ai pris des cacahuètes grillées salées de la marque Carrefour. Ça, j'aime bien en mettre aussi dans un petit pot. Pour finir, donc j'ai pris des Activia saveur framboise. Ça, j'adore manger ça après un repas copieux. Je trouve que c'est hyper léger ou le matin de temps en temps. J'ai pris un petit bain de bouche parce qu'ici, on n'en avait plus du tout. Carrefour White 8 à maintenir les dents blanches. Je sais pas du tout ce qu'il vaut. Si vous le connaissez, dites-moi en commentaire. Mais il fallait un bain de bouche, donc j'en ai repris. Et pour Elodie, je lui ai pris une petite brosse à dents comme ça, rose, bien entendu, parce que ça fait un petit moment que je vois que sa brosse à dents, elle commence à durer dans le temps. Donc je me suis dit, je vais en prendre une. Je l'ai pas demandé, mais j'en ai pris une. C'est nettoyant, interdentaire en profondeur, souple, zigzag. Bref, tant qu'elle est rose, je sais qu'elle va kiffer, de la marque Colgate. Finir. Je crois que j'ai rien oublié normalement. Des glaçons parce que comme ils arrivent dans une heure et que les sachets à glaçons, bah il faut les faire parce que j'en ai pas fait en avant, j'ai complètement oublié de le faire hier. Bah j'ai acheté des glaçons. Je trouve ça hyper stupide d'acheter des glaçons, mais là je vous avoue, si on veut un apéro frais, bah il n'y a pas le choix. Donc voilà, c'est tout pour ce retour de course Carrefour. J'en ai eu pour à peu près 80€, donc franchement ça va. Je trouve qu'en ce moment je fais pas mal d'affaires. C'est surtout avec les dates courtes. Sur les viandes, on en est vachement gâtés. Personnellement, je n'achète presque plus de viande en prix fort. J'achète toujours. En date courte, on a un congélateur, donc on congèle. Donc, j'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à commenter pour donner vos retours. Moi, je vous remercie encore du fond du cœur d'être là. Merci pour tous vos messages et tous vos soutiens. Je vous le dis à chaque fois, mais franchement, vous êtes vraiment adorables et je vous remercie du fond du cœur. Moi, en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao !